Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est Anthony et Thibault pour une nouvelle séance avec Été Indien. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est pouvoir faire 10 000 pas chez soi. Donc nous, ce qu'on va vous proposer, c'est un circuit qui va durer à peu près 10 minutes. Dans ces 10 minutes-là, on va essayer d'effectuer 1000 pas. Donc ça va être assez intense au niveau cardio. L'idée, c'est de pouvoir le faire 3-4 fois dans la journée, cet exercice-là, pour approcher 4000 pas. Et ensuite, pour atteindre les 10 000 pas, on vous laisse faire vos activités de la vie quotidienne, savoir le ménage, le bricolage, le jardinage, ou même de la marche un petit peu à l'extérieur, dans les alentours d'un kilomètre, bien sûr, de votre domicile. On va commencer. Vous aurez besoin de pas beaucoup de matériel aujourd'hui, simplement de vos jambes et de 4 petits ustensiles, à savoir des rouleaux de papier de toilette, par exemple. Donc vous pouvez préparer d'ores et déjà 4 petits rouleaux de papier toilette. Nous, on a ça. Si vous avez même des plots, ça arrive pour certains. Nous, on va utiliser des plots, donc n'hésitez pas à les sortir. Sinon, à part ça, pas grand-chose. Une chaise peut-être par personne aussi. Et puis, on va commencer la séance tout de suite. Donc pour commencer, on prend bien de la place autour de soi. On écarte bien les pieds, largeur des épaules. Et on va commencer par un premier exercice qui va être pas chassé. Donc là, pour les pas chassés, je viens bien taper avec mon autre pied. Voilà, comme ceci. Donc chacun a son rythme, comme d'habitude. Mais normalement, tous les exercices qu'on va vous donner aujourd'hui, vous pouvez tous approcher le rythme qu'on vous donne. Bien sûr, si c'est un petit peu rapide, vous diminuez la cadence. 12. Alors, ça va faire 30. 13. On accélère un petit peu. Donc là, on va faire 1000 pas pendant les 10 minutes. 16. 17. 18. 19. 20. Allez, 10 derniers. 21. 22. 23. 24. Et étant donné qu'on compte qu'une jambe, là, comme Anthony compte qu'une jambe, on va arriver à 60 pas déjà 28, au terme de cet exercice. 29, 30. Allez, ça doit déjà bien chauffer, on continue de la même façon. Là, on vient faire un transfert de poids et on vient faire talon-fesse à chaque fois. Allez. Et donc les mains soit dans le dos comme Anthony, soit sur les cuisses, soit sur le côté et vous jouez avec les bras en coordonnant en montant le bras opposé à la jambe qui se plie, le dos bien droit et on plie bien le genou. Et on regarde loin devant pour pas se faire mal au dos. Allez, 18. 19. Allez. 20. 21. Pareil, 30. Hein. 22. 23. 24. 25. 26. Allez, on respire bien. 27. Allez, sur la bouche. 28. 29. 30. On enchaîne aussitôt avec les montées de genoux, vous voyez, sur le côté, là, comme ceci. Allez, 1. Ouais, on écarte bien les pieds. 2. Et on va bien 3, au-dessus de la jambe d'appui. 4. 5. 6. 7. Si vous arrivez à faire les bras, on monte le bras opposé à la jambe. 11. 12. 13. N'oubliez pas de souffler, bien respirer. Hein. 14. 15. 16. Vous pouvez inspirer 17, sur un temps et souffler sur l'autre. 18. Soufflez en montant le genou 19, gauche, inspirez en montant droit par exemple. Allez, 10 derniers, à peine. Allez, 25. 26. 27. 28. 29. Et 30. On relâche. On souffle. On va chercher la chaise, le tabouret ou tout ce qui pourrait s'apparenter à quelque chose sur quoi on peut s'asseoir. Alors vous venez bien vous mettre au bord, parce que c'est important, on va avoir besoin d'espace devant soi pour travailler. Donc là, premier exercice, l'idée c'est de reprendre ce qu'on a fait debout, mais assis. Donc on va commencer par pas chasser. Voilà, regardez bien comme Thibaut. Et je vais commencer à compter. Allez, c'est parti. Côté, côté, centre, centre. Droite, gauche. On alterne. Une fois que vous avez trouvé l'exercice, on n'a plus qu'à 12. Allez. Continuer et attendre qu'on soit à 30. 14. Allez, on est à moitié. 17. 18. 19. 20.
Allez, le dos bien droit, on se grandit au maximum. 3, 24, 25. Allez, 5 derniers. 26, 27, 28, 29 et 30. On enchaîne aussitôt avec devant, derrière cette fois-ci. Vous voyez pourquoi on avait besoin de se mettre au bord de la chaise. Allez, le dos le plus droit possible. Et on va toucher loin les pointes de pied devant. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le rythme est assez élevé, hein, volontairement. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Allez, 5 derniers. 6, 27, 28, 29 et 30. On ne relâche pas pour autant, on termine avec les montées de genoux. Donc là, c'est pareil, on essaye d'aller assez vite. Soufflez bien, écoutez bien votre respiration. Allez, 1. Allez, on monte bien haut le genou pour bien travailler le haut de la cuisse et vous redressez au maximum. Et une fois que vous avez le mouvement, si celui-là n'est pas compliqué, on essaye de monter le bras opposé au genou si vous voulez. 20, allez, on est déjà à 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29 et on relâche. Là, vous voyez, on a fait deux types d'exercices, on a fait l'exercice debout, on en a fait assis. On va refaire exactement la même chose une deuxième fois. Allez, on garde un bon rythme, on a fait 3-4 minutes déjà là. Allez, on y va. Prêt ? On est reparti sur le premier, à savoir pas chasser. 1, 2, 3. Si vous allez un peu plus vite que nous, c'est pas grave. Si vous allez un peu plus lentement, c'est pas grave non plus. Essayez de gérer en fonction de votre rythme. 9. Allez, si possible avec 10, les bras. 11. Sinon, vous les laissez comme 12, moi devant. 13. Dans le dos. Allez, allez. Sur les côtés. 16. 17. 18. 19. 20. Je vous rappelle, on va jusqu'à 30. 22. 23. 5. 26. 27. 9 et 30. Ok, ça glisse le parquet. Ouais, ça glisse un petit peu. On enchaîne aussitôt avec les talons-fesses. Donc pareil, 1, 2. Allez, les bras avec. 3. On plie le bras opposé 4, à la jambe. 6. 8. 9. 10. 11. Allez, dos bien droit. 12, on se grandit, on 13, regarde devant et on respire. 14. 15, 16. Soufflez en pliant le genou droit et inspirez en pliant le gauche. Comme ça, ça fait un rythme de respiration qui normalement est continu. Il n'y a pas de moment où on 25, est en apnée. Allez, 26, 27. Attention après, montez le genou. 8, 29 et 30. On enchaîne aussitôt, montez le genou. 1. Allez, pour ceux qui peuvent, les autres, si vous voulez prendre 10 secondes, prenez 10 secondes. Vous adaptez, toujours derrière l'écran, c'est pas évident. Vous adaptez à vos capacités. 6, 12, combien là? 16. Je vais pas vous compter. Vas-y, c'est vrai. 20. Allez, 21. Allez, écoutez 22, votre souffle. S'il y en a qui sont dans le dur, vous pouvez stopper là. 24. 6 derniers. 25. Allez, allez. 26. 27. Après, on passe assis. 28. 29. Et 30. Donc on est reparti, la même chose, pas chassé. On part du centre et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Soufflez bien. 12, 13, 14. Allez, pas d'apnée. 15. Toujours en train de respirer. 16, par la bouche, on prend 17, beaucoup d'air. 18. 19. 20. Allez, il en reste 10. 21. 22. 23. 24. S'il y a des hanches qui font un petit peu mal, vous allez un petit peu 26, moins loin. 27. 28. 29. Et 30. Ensuite, on va venir faire devant-derrière. Allez. 2. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allez, on accélère. 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 28, 28, 28, pardon, 29. Et voilà, je me fais un petit peu de rap, c'est pas grave. On a la suite, ça va remonter le genou. On y va, on est parti aussitôt. Allez, le droit et avec les bras pour ceux qui peuvent. 3, respirez bien. 4, 5, 6, 7, pareil, on accélère. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et on relâche. Allez, soufflez, buvez un petit coup si vous voulez, il nous reste 2-3 minutes, c'est là où on va sortir les petites choses que vous avez, donc des petites coupelles, vous n'en avez pas forcément chez vous. Si vous avez 4 petites haltères, vous les posez debout devant vous, sinon, bonne vieille méthode papier toilette, ça on en a tous normalement. Essayez d'en prendre des neufs, comme ça ils ne s'ouvrent pas, c'est plus pratique. Et on va les mettre en... Vous allez faire un carré avec ces quatre petites choses. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être même des choses qui ne sont pas épaisses. Des dessous de verre, des petites... des baskets, des chaussures, enfin voilà, tout ce qui peut tenir au sol. Et vous puissiez former un carré avec. L'idée, c'est que l'intérieur du carré fasse à peu près la largeur de vos épaules, d'accord? Pas plus large, attention, hein, sinon après vous allez faire beaucoup trop de déplacements. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit carré avec les quatre. Et là, cette fois-ci, on va travailler les appuis, les reprises d'appui. Donc pour ça, on va venir sortir à chaque fois du carré avec les deux pieds. À chaque fois, on va revenir à l'intérieur. Moi, je vais vous indiquer à chaque fois la direction. Devant moi, à ma droite, derrière et sur la gauche. Et vous voyez, à chaque fois, je sors à chaque fois les deux pieds. Fais une démonstration tout doucement. Donc pour le premier exercice, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sortir sur chaque face du carré. Devant, milieu, droite, milieu, derrière, milieu, gauche, milieu. Et on repart devant, voilà. Et on y va avec Anthony. Allez, devant, côté, on touche juste, on revient au milieu. Derrière, on pose les deux pieds. Côté, on touche. Devant les deux. Côté, on touche. Derrière. Allez. Et on a fait déjà un tour. Et on essaye de faire 5 tours en tout. Allez, on revient devant, droite, oh, les aléas du direct, devant, droite, derrière, gauche, devant, droite, si vraiment les petits derrière, supports que vous avez gauche, mis vous gênent, devant, vous, mettez, vous pouvez derrière, le faire à vide à partir du moment où derrière, vous essayez de suivre gauche, les côtés qu'on vous donne. Dernier tour, droite, derrière, gauche. Ok, c'est pas trop mal. Ça va? Donc ça demande pas mal de coordination quand même. Ils répondront pas, hein, si tu penses que ça va. Ah, vous m'apprendrez pas encore. Il attendait la réponse, Anthony. Ah ouais. Alors, pour le deuxième exercice, dans l'idée là, c'est qu'on va rester uniquement à l'extérieur du carré. Donc on commence devant. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de venir chercher ici un appui à droite, toujours à l'extérieur du carré. Derrière à l'extérieur, à gauche à l'extérieur, et je reviens devant. Je ne rentre jamais dans le carré, d'accord? Toujours avec mes deux pieds. On part de devant. Pour ceux qui ont plus de difficultés ou qui ont des choses par terre un peu plus imposantes, vous les resserrez un petit peu le carré là, on ne va pas aller au milieu, donc vous pouvez le resserrer. Et on démarre tous ensemble devant et on suit le rythme quand on y va donner. Donc là, l'idée c'est de faire 5 tours dans un sens et 5 tours dans l'autre sens. On commence par la droite. Donc je viens sur le côté droit. Droite. Derrière, gauche, devant, droite, derrière, gauche, devant, droite, derrière, gauche, devant. Donc sur les côtés, on touche derrière, juste avec le pied, tac, on repart. Devant. Tac, on repart. Alors que devant et derrière, on pose carrément les deux appuis. Donc vous pouvez regarder vos pieds, c'est naturel. Par contre, une fois que vous avez le mouvement, on essaye. Allez, dernier tour.
de regarder devant. Ok, c'est pas trop mal. Allez, dans l'autre sens. Donc maintenant, on va faire dans l'autre sens. Vous allez voir que votre cerveau s'est déjà habitué. Ça va être un petit peu plus compliqué. Allez, on part tout de suite à gauche. Derrière. Droite. Devant. Gauche. Derrière. Droite. Devant. Gauche. Derrière. Droite. Devant. Allez, on touche juste sur les côtés. Et devant, on change d'appui. Derrière. Droite. Devant. Dernier tour. Gauche. Derrière. Droite. Devant. Et on en refait un bonus. Allez, c'est parti. Il m'a pris par surprise. Pour voir si tu suis. Et on peut relâcher. Ça va? Allez, dernier exercice. Donc le dernier exercice est un petit peu plus compliqué. Il va demander encore plus de coordination. Là, cette fois-ci, pour le dernier exercice, on va commencer devant. Là, on va passer dedans, donc il faudrait écarter un petit peu. On va passer à l'intérieur du carré. Donc là, il faut absolument réécarter un petit peu pour que vous puissiez passer. Donc on commence devant. On va venir derrière à droite, là, comme ceci. On va repasser par le milieu. On va aller sur la gauche. Et on va derrière. Et on va derrière, tout simplement. On essaye de former. On repasse au milieu. Et on repasse devant. Position de départ devant. Donc on répète. Droite, centre, gauche, derrière, milieu. Devant, on va vous le répéter à chaque fois. On y va? Allez, parti. Côté droit, milieu, gauche, derrière, milieu, devant. Allez, droite, milieu, gauche, derrière, milieu, devant. Troisième tour, droite, milieu, gauche, derrière, milieu, devant. Quatrième, droite, milieu, gauche, milieu. Je me suis paumé. Droite. Derrière. Bah, évidemment, oh là là, l'erreur. Ah là là, il est pas doué, il est pas doué, c'est pas lui qui a créé l'exercice, ça se voit. Hein. Allez, gauche, c'est pas grave si vous tapez dedans. Et devant. Et on relâche. Bah, c'est pas mal. Si vous êtes perturbé comme moi par les petits rouleaux, vous les enlevez. Hein. Ou alors vous les resserrez un petit peu plus. Mais après, on va avoir plus de place pour pouvoir passer en fait. Si vraiment ça vous gêne, vous mettez de côté et vous suivez quand on vous dit. Vous allez aller droite, milieu, gauche, derrière, milieu, devant. C'est pas grave s'il n'y a rien, ça met une petite difficulté en plus. Si vous avez du mal avec ces exercices-là, c'est des petits exercices de coordination qui sont sympas à faire, vous pouvez les répéter autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Là, l'idée c'est qu'on va garder un seul plot, un seul papier toilette. Dernier seul... exercice et on vous laisse tranquille. Donc là, l'idée c'est de venir monter le pied à chaque fois dessus en changeant d'appui, d'accord? Pour on essaie de le faire assez rapidement. Pour ceux qui veulent complexifier un petit peu, les petits supports que vous avez, vous pouvez en mettre plusieurs. Moi j'en mets trois pour vous montrer, comme ça le genou il monte un petit peu plus haut. Allez, 1, 2, on reste bien droit et on fait 3, pas tomber la pile s'il y a une pile devant 4, vous. On essaye de ne pas 5, regarder ses pieds. 6, allez, 7, allez, les bras avec. 8, 9, 10, on essaie d'en faire 30. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, allez, 10 derniers. 21, 22, allez, soufflez bien, 24, dos bien droit, on se grandit, 25, 26, 27, 26, 25, 24, pardon, 26, 27, allez, allez, 28, 29, et 30, ben c'est pas mal. Et vous pouvez relâcher. Donc là, grosso modo, si on vous compte bien, vous pouvez vous amuser si vous voulez à compter dans la vidéo le nombre de pas. Normalement, on n'est pas loin des 1000 pas. On est à peu près 1000 pas, n'oubliez pas que vous avez le droit à une heure quotidienne pour aller vous balader, marcher. Sachez qu'une demi-heure de marche à un bon rythme, c'est à peu près 3000 pas, donc si vous faites 3 fois ce circuit-là, on est à peu près à 3000 pas, grosso modo, tout dépend du rythme que vous mettez. Si vous allez marcher une demi-heure, trois quarts d'heure en plus, on peut rajouter 3-4000 pas. On évite à 6 ou 7000 pas, ce qui est pas si mal en période de confinement. Et on est au final, en comptant toutes les activités de la vie de tous les jours à côté, on sera pas loin des 10 000. Donc voilà, c'était l'objectif 10 000 pas pour cette séance. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire, elle reste sur le site d'Eternia. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. À bientôt.